Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai toujours pas récupéré ma voix et aujourd'hui, je vous avoue que j'ai quand même envie de faire quelque chose avec Saphir. Ça fait plus de 3 semaines que je suis malade, 3 semaines que je ne fais rien, enfin si, j'avais fait le concours avec Antoum qui était une erreur. Enfin, l'erreur c'était pas d'avoir fait le concours avec Antoum parce que lui, il était prêt à aller en concours. L'erreur, c'est que moi, j'étais malade à crever. Mais à ce moment-là, je pensais que j'avais juste un rhume. Et en fait, c'était pas du tout un rhume que j'avais. Et j'ai fait la balade la dernière fois avec Saphir. Mais sinon, je ne fais rien. Je reste chez moi sur le canapé. Je viens juste donner des pommes aux chevaux, leur faire des gratouilles et c'est tout. Et là, je commence à péter un câble. Vraiment, de ne rien faire. Croyez-moi, je me repose. Je ne fais que ça. Mais quand au bout de 3 semaines, vous sortez pas du tout de chez vous, vous avez quasi pas de contact social avec les gens, franchement, c'est dur. Et donc aujourd'hui, on va aller balader Saphir, mais je vais le balader à pied. Voilà. Je vais pas monter dessus parce que je me sens encore un peu trop faible. Et voilà, je pense qu'on va faire ça. Il va être content. Moi aussi. On va faire à mon rythme. Et puis voilà. On va aller le chercher. Je passe par ici parce que l'accès là-bas, il est impossible. Genre, les chevaux s'enfoncent jusqu'aux genoux maintenant. Donc, comment vous dire que moi, avec mes petites boots, non, non. Il est avec sa meuf. Ça broute côte à côte. Et il y a Justin là-haut dans je sais pas quoi. Justin! Vous le voyez? Allez! Oh oui! Pourquoi elle gratte de si loin? Ben, la pomme, elle est ici, elle est pas là-bas. Par contre, c'est une blague, il se met à pleuvoir. C'était pas prévu, ça, par contre. Vous allez me dire, hein, de la pluie tous les jours, on commence à être habitué. Allez, viens! C'est une feignasse, hein. Allez, Mimi! Bon. Viens, on va se balader! À pied. Je vais peut-être te passer un coup d'eau sur les membres. Oh, waouh. Parce que les membres, là, ça va pas du tout. Regardez-moi ce tas de boue sur le membre. Oh, Mirabelle, elle est pas contente qu'on parte. T'inquiète, je te le ramène. On va être content. Il faut que j'enlève un peu cette boue, là. Quand même. Même si après, il va en réavoir en retournant au pré, hein. On a retrouvé les patounes normales. Ça fait du bien parce que là, il avait 3 cm d'épaisseur de boue, quoi. Donc là, on est sauvé. On a retrouvé des membres normaux. Par contre, on est sale. Mais bon. Est-ce que je vais vraiment l'embêter à le brosser pour aller se balader? Je ne pense pas. On va se balader, puis c'est tout. Le pansage, on s'en fiche. D'autant plus qu'il aime pas ça. Donc, il adorerait ça. Je lui ferai un coup de pansage. Mais c'est pas le cas. Donc, on va aller se balader crado. Votre carrosse est ici. Allez. Allez. Bah oui, il a changé d'endroit. Allez. Dépêche-toi. T'as besoin de faire ta commère, là. Allez. Bon, je t'accompagne. Allez, go. Allez, Mimi! Ah! Bon, je viens me garer à un endroit où je me gare strictement jamais, proche du château. Mais comme ça, on va avoir les pieds dans la forêt. Et je vais pouvoir faire un tour pas très long à pied, mais sympa. Oh là là, il y a plein de moutons là! Allez, ici, ça sera très bien. L'entrée de la forêt, elle est là. Ah, on s'est jamais garé là, mon gros tas de boue préféré. Allez, ça. Vraiment dégueulasse. Hein. Non, non, recule bien. Non, toujours pas. On est où? On est au château. Je l'avais attaché le temps de fermer le pont. Allez, là, on va se balader.
comme ça, moi ça me fait prendre un petit peu l'air. À Oreo aussi. Et à Saf aussi. Alors habituellement, quand je suis en balade à pied comme ça avec Saf, lui il est en liberté. Sauf que je vous avoue que je ne pète pas la forme, comme vous le savez. Donc, on va rester en licol. Mais bon, ça change pas grand chose, mais on sait jamais. Est-ce qu'on n'est pas bien là quand même? Bon, Saphir est devant, mais ça me dérange pas. Du coup, on se demande vraiment qui promène qui. Grosse fesse sale. Ah oh. Bon, vous avez vu quand même, il écoute. On est assorti avec ton licol vert, Bacontrack et la forêt. Bon, pendant que Saf broute, je vais vous tenir un petit peu au courant de ce qui m'arrive. Je suis repartie voir le médecin. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous êtes déjà au courant parce que j'ai fait le petit débrief. Mais ouais, je suis repartie chez le médecin parce que au bout de 2 semaines, ça n'allait pas du tout mieux. D'ailleurs, lors de la dernière vidéo, le soir de la balade, je me suis retapé 42 fièvres. Donc, c'était pas foufou. Et du coup, elle m'a prescrit un nouvel antibiotique puisque l'amoxicilline ne me faisait rien du tout. Et une prise de sang complète avec aussi j'ai pas le mot. Aussi pour savoir si j'ai la coqueluche ou pas. Et des radios des poumons. Là, au moment où je vous tourne cette vidéo, on est dimanche, donc j'ai eu tous les résultats. La première prise de sang que j'ai fait le jour même, avant la prise des nouveaux antibiotiques, n'était pas bonne du tout. Puisqu'il y avait 2 facteurs qui étaient très élevés. Les leucocytes, qui sont les globules blancs, qui étaient à, 93, peut-être quelque chose. Et surtout, la CRP. La CRP, en gros, c'est une protéine qui indique votre taux d'inflammation dans le corps. Et ça, il fallait que ce soit au maximum à 5. Et là, j'étais à 122, ce qui était beaucoup. Donc, j'ai commencé le nouvel antibio. Dès la prise du nouvel antibio, déjà, je n'avais plus de fièvre. Donc, je me sentais... Alors, c'est pas fou, mais plus chaos comme je pouvais l'être. Enfin, si, dès que je fais quelque chose, je suis fatiguée. Mais bon, vous voyez, hein, tout le monde a eu de la fièvre. Tout le monde sait c'est quoi ce sentiment quand on n'est pas bien. Et j'ai fait la radio des poumons également. Qui montre que j'ai a priori une pneumopathie. Je dis a priori parce que moi je suis pas médecin, donc le compte rendu de la radio je l'ai lu vite fait, mais je l'ai surtout envoyé à Olivier qui est le dentiste avec qui je travaille. Je sais que son père il est médecin, alors est-ce qu'il a envoyé à son père ou je sais pas quoi, mais lui il m'a dit que j'avais une pneumopathie. Et surtout ma médecin m'a rappelé pour refaire une autre prise de sang un peu en urgence pour voir si l'antibiotique faisait effet. Et du coup, je l'ai faite le samedi. Donc 3 jours après la première. Et effectivement, les leucocytes sont revenus à la normale. Dans le taux haut, mais dans la normale. Et la CRP a bien redescendu. Elle est toujours élevée puisqu'elle est à 33,6, je crois. Mais j'étais à 122. Donc, c'est en bonne voie. Le problème, c'est que si j'ai une pneumopathie, c'est que ça va être long à faire partir, c'est pour ça que je suis très essoufflée pour rien. Et voilà, je tousse encore, mais je sens quand même qu'il y a du mieux. Mais je vous avoue que je pète un câble de ne rien faire, de me reposer, de rien faire du tout et tout. Donc bon, j'ai hâte quand même que tout ça soit sa fille. Même par rapport aux chevaux, c'est pas très marrant parce que bah ils font rien. Là, je vois Saf, il est hyper content d'être dehors et de se balader. Mais jusque là, je pouvais pas trop. Hein. Là, en 3 semaines, je vous dis. Bah Saphir, il a fait genre 2 balades quoi, ce qui est pas dingue. Et là il a assez demandeur en plus. Mais bon, je pense que je vais me laisser encore une semaine un peu tranquille. Parce que bon, au moindre truc je suis un peu fatiguée quand même. Mais encore une fois je pète un câble de ne rien faire. Voilà, ça me manque
de sortir de chez moi et tout. Donc, après, je vais faire en fonction de mon état de santé. Hein. Là, pendant 3 semaines, j'ai rien fait. De toute façon, je pouvais rien faire. Mais j'ai quand même hâte de remonter un peu à cheval et tout ça. En tout cas, un très grand merci pour tous vos commentaires. Parce que franchement, vous êtes adorables. À part une personne qui a dit que je faisais que me plaindre et qu'en gros, je la faisais chier. Écoutez, si ça vous plaît pas, vous partez et basta. Ça se mange pas, ces fleurs. Ça vient d'un collier de Tahitien. Allez, go, continue. Je peux pas te rouler là quand même, Mimi. En tout cas, ça fait vraiment du bien là de prendre l'air. Il fait bon, il pleut pas. Je suis avec mon Minous et c'est cool. Il râle. Il râle parce que c'est lui qui me promène en fait. C'est ça la vérité. Oh. Après, il est good normalement. Voilà. Merci. Est-ce que je peux être devant ou pas? J'ai bien compris que tous mes animaux étaient devant moi là. T'inquiète pas, plus loin il y a du sable. Tu vas pouvoir bien te rouler. T'es déjà crado, tu le seras encore plus. Je pense qu'on fasse une pause. Je crois qu'il est ok. Parce que je commence à être essoufflée. En gros, de ce que j'ai compris, la pneumopathie, bah déjà ça prend les poumons. Et c'est pour ça que je suis très très vite essoufflée. C'est une bactérie dans les poumons, elle est pas très sympa. Mais bon, ça ira mieux d'ici quelques semaines. Ou jours, j'espère. Je suis quand même un petit peu deg, hein. Parce que j'aurais dû faire un rallye, donc une rando, avec Saf, Capu et Bali. Mais du fait que je sois malade, on l'a pas faite. Alors j'en ferai d'autres plus tard, hein, même quand je serai dans les Landes. Mais c'est dommage parce qu'en plus il avait fait beau et que ça aurait été chouette. Mais bon, on contrôle pas toujours tout ce qu'on fait. Et j'ai hésité, hein. Franchement, j'ai hésité à la faire. Et je me suis dit non, parce que si c'est pour que le soir, je me retape de la fièvre, alors que ça commence petit à petit à aller mieux. Donc j'ai été raisonnable. Et j'avoue, c'est pas toujours ce qui me caractérise. Mais là, je me suis écoutée. Et on n'a rien fait. Qu'est-ce que t'entends? Ça va pas assez vite pour vous? Merci. Ah, tant que j'y pense. Je crois que je vous avais dit sur YouTube que je viendrai à La Motte Poney pour le Meetup FFE le lundi 8 juillet. Sauf que je suis un véritable boulet. Je ne pourrai pas venir le lundi 8 juillet, tout simplement parce que je travaille. Je sais pas pourquoi, j'ai zappé cette info quand même assez cruciale. Donc, j'ai envoyé un mail à la FFE en disant « Désolé, en fait, le lundi, ça sera sans moi. » Donc, je sais pas si ils vont rester sur cette date du lundi 8 juillet pour le meet-up. Entre nous, je ne pense pas qu'ils changent la date juste pour ma petite personne. Néanmoins, dans tous les cas, je pense que je viendrai à la semaine poney, un ou deux jours. Je vous en dirai plus parce que je ne sais pas encore. J'attends de voir le retour de la FFE. Si c'est hors FFE, je vous dirai. Mais en tout cas, le lundi 8, je suis pas là, c'est sûr et certain. Et dans tous les cas, il n'y aura pas Saphir. Puisque Saphir ne fera pas de championnat cette année. Eh ben non. Déjà, ça aurait été compliqué, on n'a pas fait beaucoup de concours. Et vu que j'achète la maison, je ne peux pas tout faire. Parce que pour faire un La Motte, en venant de Bordeaux en plus, et en venant sans écurie, il faut à peu près compter 1500 euros. Je crois que c'était ce que j'avais à peu près payé la première année quand j'étais que avec Saphir. Donc comment vous dire que 1500 euros, je préfère les mettre dans de potentiels travaux pour ma maison que pour des championnats de France. Et puis encore une fois, on n'a pas fait de concours, hein, donc toutes les bonnes choses ont une fin. En dessous, dans sa vie, il aura fait 4 La Motte, dont 2 merveilleux, puisqu'il avait été 3e en dressage, il avait gagné le CSO, 3e en CCE. Je peux rien demander de plus. À part qu'on y reparte. Allez, zou! On rebroutera plus loin. Ça vaut? Allez.
Franchement, est-ce qu'il abuserait pas un peu de moi là quand même? Merci. Non. Allez. Allez, tête de mule. Le mec. Merci. Allez, Bibi nous attend. Ah, il y a une montée aussi qui nous attend. J'avais oublié ça. Ah, courage à moi. C'est reparti. Non. Et c'est reparti pour se faire promener par Minos. En même temps, on n'a pas la même taille de jambe. Hein. Allez. C'est toi qui as choisi ce côté. Tu assumes. Donc, moi, j'assume, moi. C'est de la boue. Voilà, on arrive dans le moment où il y a du sable. Regardez. Je pense qu'il va se rouler là. Je le connais que trop bien, mais là c'est sûr. Attends-moi. Il s'y fait. Ah, c'est cool les balades comme ça. On fait n'importe quoi. C'est pour toutes ces fois où il veut se rouler quand je suis à cheval parce qu'il y a du sable. T'es crade. Hein. Oh le bruit. Oh là là. Ça gratte le ventre. Ouais, ça gratte le ventre. Olé. On a droit de s'ébrouer là. Merci, c'est reparti. On est content? Ouais. La calme ça. Il est bien excité de la ville. Et doucement. Moi, j'ai pas ton énergie là. Sinon, je grimpe sur ton dos. Hein. Je dis ça, mais l'autre, il fait 1m73. Il fait 1m53. Qu'est-ce que vous voulez que j'arrive à monter dessus sans mon toit? C'est potentiellement chez quelqu'un quand même. Ça. L'autre, il s'est roulé. Il est en pleine forme. Doucement. Oh, l'air belle, l'herbe. Moi, j'ai pris de la hauteur. Mais non, tu triches. Toi, t'es déjà grand. On dirait que j'ai fait un marathon. Tellement que je suis crevée. Alors que pas grand-chose, quand même. Hein. Toi, tu abuses de ma faiblesse. Hein, vraiment. Ouais, ouais. C'est beau. Saf. Oh, oh, il me saoule. Allez. Pas possible. C'est fou, hein, parce que c'est un cheval que je peux promener en liberté, etc. Il va pas brouter. Là, il sait que je suis pas pleine de tous mes moyens. Pleine de tous mes moyens. En possession de tous mes moyens. Il en abuse. Bon, c'est gentil, mais quand même. Oh, l'abus sur lunettes. Je viens de le gronder. Donc normalement là, je suis tranquille jusqu'au moment où moi, je vais lui dire, ok vas-y broute. Oui tu râles, moi aussi je râle. Le mec est là, non mais je sens que le crottin. C'est bon. Bravo. C'est pas possible. Non. Plus loin on broutera. Il me fait rire. Saf. Mais j'ai faim. Tu vois que tu peux le faire. On refait une petite pause à ma demande. C'est pas lui qui va s'en plaindre, hein, qu'on se le dise. Il est en train de manger plein de trèfles. Et tu fais quoi maintenant avec ça? Sérieux? Lâche! C'est dégueu! Saf! Non mais toujours plus en fait! Sérieux! Au! Oh, le mec il fait tourner les serviettes! Ça va pas bien hein! Allez! Mais oui, c'est pas une bonne idée ce que t'as là! Saf, je crois qu'on n'est pas du bon côté! On va arriver dans l'écurie. Et le fossé, là, il est beaucoup trop large pour sauter. J'espère qu'il ne faut pas faire demi-tour parce que j'en peux plus. C'est bon, on est sauvé. C'est Oreo que tu vois. Il y a un petit passage. On n'a pas besoin de rentrer dans l'écurie. Tu reconnais plus ton petit frère? Non! Oh! Vous êtes beau. Très, très beau. Pourquoi tu ronfles, Saf?
c'est ça. Sérieux? Ça? Simple. Bon, l'avantage qu'il y a, c'est que tout à l'heure, on a monté. Là, après, on va descendre. Ça va être plus facile. Lui, il marche toujours. À 1000 à l'heure, non. Non, en fait. Tu ne me fous pas là-dedans pour brouter. Oui, il y a des chiens là-bas. Le pire, c'est un poney. Bon, Réo, on dirait qu'il est tout petit à côté. Alors qu'il n'est pas tout petit. Hein. Oréo, viens ici. Viens ici. Bibi, viens ici. Et s'il l'empêche de venir. Lui, on dirait qu'il n'a jamais vu un vélo de sa vie. Ça y est, il est perturbé. C'est un vélo. Non. Oh. Et en plus, tu me pousses sur le côté. Affreux que tu es. On est sur le retour. Dernier petit arrêt. Et après, on rentre. Merci de me balader et d'être un peu polisson quand même. Allez, on rentre. Bon, on est à la voiture et au vin. On a fait une balade d'une heure avec plusieurs pauses. Et c'était cool. On va donner une petite pomme au petit cheval. Hop, tiens. On est bien rentré. Je l'ai mis là pour qu'il broute un peu parce que l'herbe elle est jolie. Il va être content. Je suis de retour sur mon poste favori depuis 3 semaines. Ma chaise, en train de regarder Saf brouter. En tout cas, je suis contente d'avoir pu faire cette sortie. Je vous avoue que là, je suis un peu KO quand même. Mais je suis contente. Ça m'a un peu changé d'air. Ça m'a fait faire quelque chose. Parce que vraiment, 3 semaines à rester sur son canapé à rien faire, c'est pas évident. Même si j'en avais besoin, hein, parce que mon corps était dead. Et que bon, je suis pas encore dans une pleine forme olympique. Mais chaque jour, il y a un peu mieux. Et c'est ça qu'on retient. Donc, je suis contente d'avoir pu partager ça avec Safou. Bon, j'ai remis le Safou au box. Pas du tout. Bon, le Safou est de retour au pré. Et oui, avec les copains. Et moi, je vais y aller. Hein. Bon, ben, j'espère que cette petite sortie vous aura plu. Moi, je suis encore une fois contente de m'être un peu bougé les fesses. Et voilà, et d'avoir partagé ça avec mon Safou. Bon, ben, écoutez, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.